Bonjour à tous, c'est Karine, ma passion d'épée. On est lundi 14, il est 15h13. Je retourne cette vidéo car j'ai fait ma petite blonde hier. Et je suis en train de me dire que je suis en train d'en faire une autre. Je vous mets sur pause et je reviens. Me revoilà. On est toujours lundi, il est toujours 15h15. 15, 20 maintenant. J'ai juste changé de t-shirt parce que je me suis rendu compte que vous aviez le t-shirt du magasin. Voilà, pour quelques secondes, c'est pas très très grave. Alors, je refais cette petite vidéo parce que je suis un petit peu blonde. Hein, voilà. J'en ai fait une hier. Et puis je me suis rendu compte que ce matin, hier soir quand j'ai voulu. Hop là. Quand j'ai voulu la mettre en place, donc avec ma petite vidéo de début et de fin. Mauvaise manipulation, j'ai effacé la vidéo. Voilà, wali-walou. Donc je retourne cette petite vidéo. Alors, petite vidéo aujourd'hui, donc je fais le DP Action le 30 par 40, parce que depuis samedi j'ai appris qu'il y avait des 40 par 60. C'est le petit chien, donc je vais vous donner mon ressenti sur le DP. Je vais vous parler de quelques petits trucs. Donc voilà. Donc le DP, l'impression elle est super bien, il colle super bien. J'ai juste repris, donc je sais plus qui le fait, mais j'ai mis enlevé la petite feuille transparente qui fait du bruit, qui crrr, et j'ai mis une feuille de papier cuisson. Voilà, comme ça je peux la découper. À ma guise. Hop là. À ma guise. Le but, c'est que je vois aussi que j'avance. Donc, je vais essayer de papoter et de vous raconter tout ce que j'ai à vous raconter. Hein? Donc, là, cet après-midi, je ne travaille pas. Je viens de dire à mon mari que j'allais faire des vidéos, qu'il ne fallait pas qu'il m'appelle. Voilà. Je suis avec vous cet après-midi. Voilà. Alors, donc du coup, actuellement, oui c'est mon café, hein, je viens de rentrer du boulot, ça m'a monté café. Actuellement, j'ai 3 DP en cours. Alors moi qui avais dit je ne ferai pas plusieurs DP en cours, et eh ben, loupé. Voilà. Je m'explique. Pourquoi 3 DP? On est au rez-de-chaussée de chez moi et... Actuellement, tous les soirs, j'ai les infirmières qui viennent à la maison me faire des piqûres. Et donc, j'arrive, il est 8, 7h30, 8h moins quart, allez, 8h moins quart moins 10 à la maison. Et elle passe vers 8h30. Et comme on ne sait pas trop à quelle heure elle passe, j'ai dit à mon mari, on mange après. Et pendant ce temps-là, je peux faire mon un peu de DP. Donc j'avais attaqué à faire un DP comme ça le soir en les attendant quand je faisais le défi Gorgeous du groupe Évasion et Création. Donc ça avait commencé pile poil au moment où j'avais aussi les infirmières qui venaient. Et du coup, ça me permettait d'avancer sur mon défi Gorgeous tout en les attendant. Donc mes deux carrés de 10 sur 10 à l'époque. À l'époque, mais c'est pas si loin, hein, ma fille. Hein, mais bon, j'arrivais à les faire rapidement, du coup, comme voilà. Et voilà, j'avais dit, je ne ferai pas, j'attaquerai pas deux DP en même temps, voilà. Sauf là, cas. Voilà. Sauf que entre-temps, j'ai eu mon partenariat avec e-broderie que vous connaissez déjà. Où je me mange du noir et du noir. Voilà. Hein. Donc j'ai pas envie de me manger que du noir, j'ai pas envie de me dégoûter. Donc voilà. Et j'ai d'abord commencé celui qui le DP qui ressemble à mon chat Schweppes. Ou les diamants POC. Donc c'est une vraie galère de les faire.
Il doit me rester, ça doit être de 40 ou 40 sur 10 à faire. Ça, oui, c'est un 40-50, donc j'ai dû faire. Voilà. Il me reste pas grand-chose, hein. Mais le fait qu'il poque, ça m'énerve. Donc voilà. Donc le noir, j'ai pas envie de me dégoûter de faire que du noir. Et puis le, il fait 100 par 40. Il est trop grand pour que je le descende d'un étage à un autre. Celui de Schweppes, c'est ben, j'ai pas forcément envie voilà, de le déplacer non plus et il m'énerve. Donc du coup, j'ai voulu faire un peu du action. Et ben action, franchement, comme ça. Franchement, je pense que le jour qu'ils font des carrés, ils vont avoir un succès mais phénoménal. Franchement. Mercredi, il y a une promo qui commence sur les 40 par 60 à 3,99 si je ne me trompe pas. Bah moi, je travaille mercredi toute la journée, donc je ne peux pas y aller. Jeudi, c'est mon jour de repos. Je redescends pas dans l'agglo pour un DP. J'aime bien le DP, mais quand même. Voilà. Alors peut-être que lundi prochain... J'ai en sortant du boulot. Et non, l'offre, elle sera finie parce que c'est jusqu'au 20, je crois. Donc, elle sera finie. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave, j'en ai plein. C'est pas le. Voilà. Mais les images que j'ai vues, les photos que j'ai vues, elles sont pas mal. Donc, voilà. Donc, voilà. Si vous voulez commencer le DP, que voilà. Et bien, écoutez, ceux d'Action, ils sont pas chers. Et ils sont super. Franchement, c'est pas des. Alors, je saute du coq à l'âne, hein. C'est pas des rivières que vous voyez là. C'est le papier cuisson que j'ai mis qui gondole un peu, mais ça fait pas de rivière parce que là, c'est de la colle spray qui a été posée dessus. Contrairement. Quand on a le plastique transparent, donc c'est de la colle spray. Quand on a le papier un peu blanc, c'est de la colle en rouleau. Et là, ça peut effectivement faire des rivières. Mais là, ça fait pas de rivière. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Hormis qu'il est super agréable à faire, qu'ils sont pas chers, qu'ils sont bien. Voilà. Ensuite, petite info. Depuis jeudi dernier, je suis rentrée dans un groupe sur Facebook. Ce groupe s'appelle Notre Addiction, le Diamond Painting. Donc c'est Laurence qui a créé ce groupe il y a quelques mois, si je ne me trompe pas. Il n'est pas vieux, vieux, je crois qu'il a 1 ou 2 mois, pas plus, hein. Voilà. Et donc elle discutait avec Vierge et les diamants. Vierge, c'est moi, je crois. Oh, le bug. Désolée Vierge, hein. Je crois que c'est Vierge. C'est moi. J'ai un trou. Quittez pas, je reviens. Me revoilà, je suis désolée. Donc, Vierge, c'est moi et le diamant painting. Voilà. Virginie, je l'ai rencontrée. Elle a gagné un de mes lots de mon deuxième concours. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Vierge. Et on a bien sympathisé, on a papoté ensemble. Et du coup, jeudi dernier, à ma recherche de nouveaux groupes, parce que j'aime bien aller fouiner, pas fouiner, oh, je voulais pas donner ce terme-là. J'aime bien aller dans les autres groupes, trouver des petites astuces, des partages, partager aussi moi ma passion, hein, parce que maintenant c'est une passion, le DP. J'ai fait une demande sur le groupe, donc notre passion. Non, c'est pas notre passion. On est décidément. Oh, je suis navrée. Alors, je vous explique pourquoi j'ai des trous de mémoire. Bon, je me fais vieille, certes. Ça, c'est une. C'est pas une info, c'est pas. Voilà. Je suis donc. J'ai des piqûres tous les soirs. Et. Bah, c'est un des effets secondaires. Donc, je perds un peu la mémoire. Voilà. Donc, voilà. Rien de grave. Mais voilà.
Donc, je vous disais, j'ai fait donc ma demande d'adhésion donc sur le groupe notre addiction, la passion du diamant painting. Et Virginie est venue me parler en m'expliquant que Laurence lui avait demandé si elle voulait être modo pour le groupe, pour faire un petit peu avancer son groupe, voilà. Et de fil en aiguille, ben, on a papoté, papoté, et encore papoté. Faut dire ce qu'il y a. Hein. Je pense qu'elle ne me contredira pas. Hein. Et elle m'a demandé si j'avais envie d'être modo sur ce groupe. Et ben, écoute, je lui dis, ben, écoute, pourquoi pas. Hein. Voilà, j'ai jamais été modo. J'ai des groupes à mon actif. Hein. J'en ai 3, 4. 3 ou 4. Où ben, il n'y a pas forcément cette attraction de faire avancer un peu le groupe. Hein. Moi, j'en ai un qui s'appelle l'état des routes du plateau Mathézin. C'est pour donner l'état des routes quand il y a de la neige, quand il y a des accidents. Donc, il vit tout seul. Voilà. On met des infos, les gens mettent des infos quand il y a besoin de mettre des infos. Voilà. J'en ai un autre où il y a beaucoup de ventes. Où on met les ventes également quand on fait des ventes. Moi, je fais des vide-greniers avec une copine. Voilà. Le troisième, c'est pour annoncer les feux d'artifice, parce que je suis une grande fan de feux d'artifice, donc dans la région aussi. Voilà, donc lui, c'est pareil, il vit qu'à une période de l'année, hein. Voilà. Et j'en ai un autre qui lui évolue et avance. Grâce à une de mes membres qui est passée admin, c'est un groupe des lotos. Voilà. Donc, groupe des lotos où on annonce les dates, les prix des cartons. Voilà. Et cette copine, maintenant, du coup, voilà, elle fait beaucoup, beaucoup de lotos dans l'agglo et elle mettait beaucoup d'informations, nous, sur notre plate sur la mur. On a à lire. Petite dizaine de lotos entre novembre et fin avril. Donc voilà. Et du coup, elle l'alimentait énormément, énormément. Et au fin fond de l'Isère, trouver des informations. Voilà. Donc du coup, avec ma copine avec qui on était sur le groupe, on l'a mis admin. Et du coup, c'est vrai que c'est elle qui gère tout parce que bah, elle est sur l'agglomération grenobloise. Donc du coup, elle arrive à avoir toutes les informations qu'elle a besoin d'avoir. Voilà. Moi, je pose quand j'ai des lotos près de chez moi. Et voilà. Donc, du coup, Virginie me propose d'être modo sur ce groupe. Je lui dis, bah écoute, pourquoi pas. En plus, j'ai plein d'idées. Et pourquoi pas. Moi, voilà, c'est une nouvelle expérience. Hein, je prends. Hein. Donc, voilà. Donc, depuis jeudi dernier, donc là, on est le 14, c'était le 12, 13, 12, 11, 10. Hein, ça va être le 10. J'ai mon petit PC à côté. Oui, jeudi 10 septembre, je suis modo de ce groupe. Voilà. Donc, suite à cette petite échange avec Virginie, et donc, je suis modo, donc je continue à participer dans les divers groupes que j'ai. Que j'ai, hein, je les abandonne pas pour autant. Voilà, hein. Ils m'ont beaucoup apporté les groupes. Avec Virginie, en discutant, elle a eu l'idée. Voilà. Donc, et là, je vais pas trop vous en dire. Vous allez voir, continuez à me suivre via le groupe. Et il y a trois youtubeuses, donc il y aura moi, entre autres. Il va y avoir des choses qui vont se faire donc sur ce groupe. Voilà. Il y a ce projet-là avec donc Virginie, donc ce groupe-là avec Virginie Laurence et moi-même. Voilà, où il va y avoir une participation. Donc il faudra que vous soyez membre du groupe. Donc, notre addiction, la passion, l'épée, mais également que vous suiviez les trois chaînes des youtubeuses.
Voilà. J'en dis pas plus pour le moment parce que il faut qu'on fasse chacune nos vidéos, qu'on en parle un peu plus toutes les quatre, afin de mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place, hein, parce qu'il y a quelques petits trucs à faire. Donc voilà la petite info. Oh, bah j'en vais avancer. Donc la petite info de la journée. Et comme vous voyez, je travaille vachement sur mon DP. Voilà, pour changer. Normalement, les femmes, elles sont multitâches. Ben, moi, quand je suis en train de faire une vidéo, j'arrive pas à être multitâche. Heureusement que mon mari n'entend pas. Parce que je pense qu'il se foutrait de ma poire. Hein? Poliment et gentiment. Donc voilà, après, ben, sur la chaîne, il y a plein de petites choses qui vont arriver. Une des premières choses qui va arriver, c'est quelque chose en commun avec Virginie. Donc, ça, vous le verrez en temps et en heure, hein, pour le moment. Je vais vous faire plein de. Alors, je vais essayer de vous faire des tutos. Hein? Attendez. Je me concentre. Là, je l'ai. Donc, il va y avoir des petits tutos qui vont arriver sur la chaîne, des petites créations. Voilà. Alors, je ne l'ai pas là. J'ai un cahier où je marque toutes les idées que j'ai. Voilà. Je sais qu'on est plusieurs à le faire. Hein? Là, je le sais pertinemment. On est plusieurs à avoir des idées. Hein? Donc, vous voyez, j'ai toujours. Bah là, vous voyez, en l'occurrence, j'ai mon petit carnet. Un petit carnet, hein, voilà. Avec le stylo 4 couleurs. Un de mes stylos 4 couleurs. Et si pendant que je vous parle, bah, j'ai une idée qui arrive, bah, je vais la noter. Et après, je recentre. Je. Plapla. Je renote tout dans mon carnet. Donc, voilà. Plein de petites idées, voilà, de création, de jeux, de. Plein d'idées. Effectivement, c'est pas celui-là que j'avais tout à l'heure. Après, je peux pas tout vous dire, je peux pas vous faire toutes les vidéos d'un seul coup parce qu'il y aurait plus de. Comment dire? Plus de. Plus d'intérêt après. Si je vous dis tout dans une vidéo en vous disant, bah, je vous fais ça, 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 ça et ça. À la sortie, vous savez tout ce qui va se passer sur la chaîne. Moi, le but, c'est que vous découvriez au fur et à mesure de mes vidéos ce que je vais vous proposer. J'ai quelques idées de petits jeux, j'ai quelques idées de tutos, j'ai quelques idées de création. Hein? Voilà. Donc voilà, j'ai plein de petits trucs que je note, que je connote à droite, à gauche, sur mon carnet, sur mon planning aussi de boulot. Voilà. Parce que comme j'ai mon planning sur un format A4 et que c'est écrit que sur du A5, et ben j'ai des côtés, ben, du coup quand je suis en train de manger, ben, que j'ai une idée ou le matin en attendant, voilà, et ben si j'ai une idée, ben, que j'ai pas mon carnet sur moi, et ben je marque. Voilà. Je peux vous dire que ça fuse en ce moment. Ça fuse, ça fuse, ça fuse. Donc voilà. Du coup, pour les petites infos de la journée. Quoi dire d'autre? Je sais pas. Je sais pas. Si, que bah, j'ai acheté les. Vous avez vu hein, mon haul action avec les smileys. Qu'on les fera ensemble. Hein, on les fera ensemble, les smileys. Mais il y a plein de choses qu'on va faire ensemble.
plein de choses. Là, juste après cette vidéo-là, que je vais vous poster tout de suite. À la suite. Tout de suite, tout de suite. Donc là, vous êtes, on est lundi 14. Vous allez l'avoir lundi 14. Eh ouais. Hein, s'il y a des moments où... Ah, il y a des moments. Ça aussi, ça, c'est tout moi. Je fais une vidéo. Je pars sur autre chose. Un jour, deux jours, trois jours. Je refais une autre vidéo. Je vous poste la deuxième vidéo que j'ai faite, mais la première, je ne l'ai toujours pas postée. Hein? Comme le test des produits. Voilà. Le test des produits, je l'ai fait rapidement. Je crois que je vous ai fait le unboxing le samedi ou le dimanche. Non, mercredi. Je ressortais du boulot, que j'étais crevée. Mercredi, le dimanche, j'ai fait le test. Ouais, mais il y a 15 jours en arrière et je voulais poster qu'il y a 2 jours. Hein? Voilà. Donc c'est que voilà, je pars à droite, à gauche. J'étais pas mal prise aussi par mon travail. Hein. Aussi parce qu'on était en période de rentrée des classes. Donc voilà. Donc là, je suis sur une petite période creuse, on va dire, jusqu'au 1er novembre, à peu près fin novembre, début novembre. Puis après, on repart sur la préparation de l'inventaire fiscal. Eh ouais, inventaire fiscal, on y passe ça, tout ça. Et on va faire les J. L'année dernière, c'est moi qui ai tout fait de la préparation. C'était ma première prépa. Et cette année, je vais m'y recoller. Avec plaisir. J'aime bien. Ça change. Ça change, ça se change. Donc voilà, après, ça va être une bonne grosse quinzaine de... qui va être compliquée. Et après, voilà. Et ça, on repartira sur des périodes beaucoup plus calmes. Voilà. Mais là, pour la rentrée des classes, j'ai fait un peu plus d'heures. J'ai un contrat de 38, mais je suis montée à 42, 44, voire 45 heures semaine. Voilà. Parce que c'était le moment de l'année où, voilà, pour l'inventaire, il n'y aura pas d'heures supplémentaires. Je ferai mes 38 heures et puis c'est tout. Voilà, voilà. Que dire de plus? Eh bien, écoutez, je sais pas. Je sais même pas combien de temps ça fait. Ça va faire 20 minutes, un peu plus de 20 minutes qu'on est ensemble. Donc à la suite de cette vidéo, je vais vous faire une petite vidéo. On va l'appeler tuto ou pas tuto? Ouais, ouais, on va l'appeler tuto. Je vais vous l'appeler tuto. Je dis ça et puis quand je vais vous la poster, ça sera pas tuto. Hein? Voilà. Si, dans la prochaine vidéo, test de la pasta machine. Voilà. Hein, je vous l'ai fait voir sur le haul de mes achats. Et là, elle est pas loin. Hein. Je vais vous faire quelque chose. C'est pas destiné. Voilà. Alors, j'en ai déjà fait 2. Donc là, je vais en refaire. Avec vous et la pasta à machine. Voilà. Donc là, après j'ai un tuto. Donc on m'a demandé de vous présenter mes petits rangements de petites boîtes lunettes. Comme ça, c'est celle que j'avais. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben, j'ai pensé à un truc et ça fait plouf 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 quand je vous dis que je perds la carte. Ça craint, hein? Qu'est-ce qui m'est arrivé tout à l'heure que j'ai dit à mon collègue, à mon directeur? Je lui ai dit, mais c'est mon traitement qui me fait ça. Il m'a regardé, il m'a dit, t'es sérieuse? Oui, 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 c'est un des effets secondaires. Je perds la carte.
Je ne sais plus. Je sais plus. Si, je vous ai pas dit. Mais je vais vous dire. Vous savez, moi, je vous filme avec mon téléphone là aujourd'hui. Il y a des moments où je vous téléphone. Je vous filme avec une caméra. Et bah, samedi. Hé, mon sac à main, le chat! Oui? Pleine vidéo, en plus, il me fait crier. Y a pas d'arbre à chat à la maison, c'est vrai. Ha! La caméra. Voilà. Désolée, hein, mais j'avais mon gros chat qui était en train de faire ses griffes sur mon sac à main. Voilà. À croire que j'ai pas d'arbre à chat. Hein. Qu'il n'y a pas de carton. Hein? La caméra. Je me fais peur par moments. Du coup, samedi, j'ai acheté une nouvelle caméra. Mon mari m'a acheté une nouvelle caméra. Car, à ce qui paraît, il y a un an, j'aurais activé, lorsque j'ai acheté mes baskets, le Cdiscount à volonté. Voilà. Pour 29 euros par an. Alors, il y en a qui les prennent. Hein. Moi, voilà, chacun fait comme il veut. Nous, à la maison, avec mon mari, on n'en veut pas de tout ça. Oui, il y a les frais de livraison gratuits, livraison rapide, comme sur Amazon Prime, les choses comme ça. Voilà. Un an en arrière, le relevé de compte m'a pas frappé qu'il y avait eu 29 euros de débité. Et là, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que les derniers achats que j'ai faits sur ces discounts, c'était des achats pour mon papa, donc j'ai payé avec la carte bleue de mon papa. Désolée, je bois avant qu'il soit trop froid, parce qu'après je vais boire un café glacé. Jeudi, je vais chez mon papa, et comme il me fait voir son compte, il me dit, regarde, il y a un truc qui me chagrine. Dis-je. Achats sur ces discounts. Il me dit j'en vois bien deux, je me rappelle bien de deux, mais le troisième. Bon, alors je réfléchis, je cherche, je regarde, je retourne sur notre compte ces discounts, étant donné que les achats de mon papa, c'est moi qui les ai faits, donc je mets tout sur mon compte à moi et à mon mari. Puis d'un seul coup, je vois ces discounts à volonté. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Je les appelle. Une dame moyennement aimable, hein, me dit que bah si c'est moi qui l'ai activé, que c'est pour avoir des livraisons rapides, c'est pour avoir les frais de port gratuits, plus tout un tas de points de camembert. Donc je la stoppe, je dis bah non, nous, on veut pas. On veut pas. Si, si, madame, on vous envoyait un mail, telle date. Ouais. Sauf que moi, le mail ne me parle pas. Bah, peut-être que votre mari l'a vu, hein. Et que, bah, vous l'avez pas vu. Non, parce que la boîte mail, c'est moi qui la gère. Cette boîte mail-là, c'est moi qui la gère. Donc, c'est pas possible. Eh bien, regardez sur votre interface, hein, client, c'est marqué. Je ne regarde pas l'interface Cdiscount. Donc, je ne peux pas vous dire si oui ou non vous me l'avez envoyé. Je ne la regarde pas. Parce que ben, on reçoit tout par mail. Voilà. Bon. Je dis, moi, je ne comprends pas. Voilà. Au bout de 5 bonnes minutes, elle me dit, bon, bah écoutez, je vais vous faire un geste commercial, je vais vous faire un bon d'achat de 20 euros pour le dédommagement sur 29. Ouais, mais du coup, je peux pas me désabonner pour cette année. Ben non. Ok, bon. Je raccroche. J'appelle mon mari. Je lui explique. Il me dit, mais non,
Jamais pris ça. Je dis, bah écoute, ils nous ont fait un bon d'achat de 20 euros. Peut-être que inconsciemment, on a cliqué sur un truc. Peut-être. Sachant qu'on fait super attention. Voilà. Bon. L'après-midi. Non, mon mari me dit, c'est quand même bizarre parce qu'il parle de frais de port gratuits, livraison rapide. Frais de port, on en a payé sur les derniers achats. Du coup, je dis, ben, je prends un moment et je commence à regarder mon compte. Une facture, deux factures, trois factures. Je crois que je suis montée à 8 ou 10 hein, factures avec des frais de port. Qu'est-ce que je fais? Je rappelle ces discounts. Et là, un monsieur, mais pas du tout aimable. Eh ben, mais madame, vous avez déjà appelé ce matin? Oui, monsieur, j'ai appelé. Pour la même chose. Non, monsieur, c'était pas pour la même chose. Expliquez-moi exactement à quoi consistent ces discounts à volonté. Et là, il me ressort les livraisons gratuites, rapides. Et là, je l'arrête, je lui dis, bah, le problème, c'est que sur toutes les factures que j'ai regardées, j'en ai 8 ou 10 où j'ai payé des frais de port. Mais madame, vous avez coché à droite de l'interface Cdiscount que vous voulez, le Cdiscount à volonté? Bah non, je ne peux pas avoir coché un truc que je ne connaissais pas, que je ne savais pas que j'avais. Hein? Soyons logiques. Eh ben, on ne peut pas mieux faire, madame. Hein. Vous êtes engagée pour un an. Hein. Donc, l'année prochaine, au mois de juillet, ben, vous recevrez un mail et c'est à vous de résilier votre contrat. Ok, merci. Au revoir. Voilà. Donc, le soir, j'explique à mon mari qui, ma surprise, a laissé. Alors, je ne sais pas où c'est qu'il a laissé l'avis d'ailleurs. Il a laissé un avis à Cdiscount sur cette histoire. Parce que j'ai eu le fin fond de l'histoire tout à l'heure. Et un avis où bah, il parle d'arnaque, si je ne me trompe pas. Et ils lui ont répondu en lui disant que bah non, je sais, bon, je sais plus trop les termes qu'ils ont mis sur le truc. Voilà. Il s'est pas dégonflé, il n'a pas changé son avis, il en a remis une couche. Donc la couche, il l'a remis ce matin. Ce matin vers 6h30 parce qu'il m'en a parlé vers 6h30 ce matin. Tout à l'heure à 2h30, donc on est toujours lundi, hein. À 2h30, il m'appelle, il me dit, tu sais quoi? Regarde la boîte mail, je viens de recevoir un message, je vous le donne en 1000. Eh oui, Cdiscount nous rembourse les 29 euros. Alors pour soi-disant un truc qu'on aurait enclenché, hein, si réellement je l'aurais enclenché ce truc, il ne me l'aurait pas remboursé. Il m'aurait pas fait un bon d'achat de 20 euros. Hein? Voilà. Parce que mon mari a parlé d'arnaque. Que c'était pas possible qu'on l'ait enclenché. Donc, s'ils avaient réellement raison et que moi j'avais tort, les 30 euros, ils ne me les auraient pas remboursés. Et les premiers 20 euros qu'ils m'ont fait en bon d'achat, eh ben, je les aurais jamais eus. Hein. Mais c'est ce qui nous a mis la puce à l'oreille quand ils m'ont donné les 20 euros. Je sais pas, ils me disent, putain, 20 euros alors que t'es censé avoir, être toi l'avoir enclenché. Ils me disent, si on te donne quelque chose, c'est que c'est eux qui sont en tort. Voilà. Du coup, bah, ces 20 euros, merci, c'est discount. Bah, ça m'a permis d'acheter une nouvelle caméra pour l'ordinateur. Donc, cette nouvelle caméra, je me faisais une joie parce que j'ai les colis, donc j'ai acheté la caméra. J'ai acheté. Allez, je vous le dis ou je vous le dis pas? Je vous le dis. J'ai acheté des petits outils pour la pâte polymère. Voilà. Et mon mari s'est acheté un jeu vidéo. Et donc, sur le. Quand on a validé la commande, pour moi, elle arrivait mercredi. Pardon. Mercredi. La caméra. Voilà. Donc j'étais contente, j'ai dit je vais faire un unboxing de ma caméra.
Mais non, mais elle n'arrive pas avant le 10 octobre. Hein? Ou le 9 octobre. Voilà. Donc, bah vous allez attendre mes petits loups hein, pour avoir la nouvelle caméra. Donc cette caméra, ce qui va se passer, c'est qu'elle est... Ah, j'ai plus le terme. FC. Elle fait la mise au point automatique, c'est-à-dire quand j'approche ma main, voyez là, ça floute. Et bien là, non, elle va faire la mise au point automatique, toute seule. Voilà. C'est quoi que j'ai pris? Le Y. Donc, voilà. Donc, nouvelle caméra, des petits accessoires en plus, hein, parce que. Mais je vous rassure, hein, quand on a commandé, je lui dis, regarde à gauche, prends, c'est discount à volonté. Hein? Et en plus, c'est discount à volonté, il faut passer un certain montant pour pouvoir y bénéficier. Parce qu'il a fallu qu'on retrouve des articles, c'est pour ça que j'ai acheté mes accessoires de pâte Fimo. Parce qu'il manquait 2,20 € ou 2,40 € pour pouvoir bénéficier de ces discounts à volonté. Voilà. Donc, je reste campée sur ma position que, à la base, c'est bien un truc qu'eux, ils ont enclenché et pas nous. Parce que ces trucs-là, on ne veut pas. On s'était fait avoir avec, quand on avait ouvert Amazon, on avait ouvert notre compte Amazon, on avait eu le truc. Mais là, c'est pareil. On avait eu quelqu'un, il n'y avait pas eu d'histoire. C'est quelque chose que Amazon enclenche par eux-mêmes. Donc là, ils nous avaient remboursé, il n'y avait pas eu de souci. Nous, on ne voulait pas. Ces trucs, ça, non. Le seul truc, et encore je vous disais des bêtises au début, le seul truc qu'on a enclenché, c'est même pas une histoire de vol de frais de port, je crois. C'est sur Zoo Plus, là où j'achète mes croquettes spéciales pour mon chat qui est malade. On a enclenché un truc, je crois que c'est pour les points fidélité, étant donné on fait, pardon. Une commande entre les croquettes et les croquettes, la litière, les boîtes de pâté spécifiques, les pâtés spécifiques, les croquettes spécifiques et la litière pour mon chat qui est malade. On a enclenché ça parce que du coup c'était avantageux. Je crois qu'on gagnait on gagne des points ou des trucs, un truc comme ça. Mais c'est le seul truc. Et je crois que c'est 5 € à l'année. C'est pas. Voilà. Quand on a fait. Je crois que c'est 5 ou 10 € à l'année pour avoir 10% de remise à chaque fin de commande, si je ne me trompe pas. Je crois, hein, de mémoire. Hein, je ne vais pas aller fouiner sur l'ordinateur pour voir, mais voilà. C'est le seul truc qu'on a enclenché parce que tous les 2 mois, on fait notre grosse commande de litière pour les chats et on commande les pâtés et les croquettes de spéciales pour mon chat qui est malade. Voilà. C'est le seul truc. Donc voilà. Donc, conclusion d'histoire. Eh ben, j'ai gagné 20 balles parce que ben, ils nous ont fait un bon d'achat de 20 € et ils nous viennent de nous rembourser 30 €. Voilà. Dans l'histoire, je vais pas être perdante pour une fois. Voilà. Wally Wally. Bon. On se finit les petits Y. Et après, je vais vous laisser parce que je vais passer sur la pâte polymère. Avec la pâte à machine où je vais vous construire quelque chose. Hein? Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous construire? Hein? Vous fabriquer, pardon. J'ai plein d'idées. Vous voyez, là, je suis en train de penser à un truc en même temps que. Attendez, hop là. Hop là, voilà, ça c'est noté. Puis j'étais en train. Oh non, mais vous voyez,
J'étais en train de penser en me disant, faut que je regarde mes vidéos. Là, normalement, j'arrive à jour sur les vidéos. Parce qu'avec la période de rentrée des classes, eh ben, j'ai eu un petit peu moins de temps pour regarder les vidéos. Donc, je sais, 3 jours, 3-4 jours que j'essaie de me mettre à. Et là, j'ai dit, bah, faut que je regarde ce qui est tombé depuis hier que j'ai pas vu. Mais non, si je fais la vidéo, je ne peux pas regarder. Hein? Pas grave, je regarderai ce soir dans le lit. Ou je regarderai ce soir en attendant l'infirmière à la maison. Voilà. Bon, bah mes petits loulous, je vais vous laisser. On va changer de décor. Hein. Je vais rester toujours sur ma table ici, sur mon four est là. On va enlever ça, nettoyer, préparer pour la pâte polymère, pour la création. Moi, je vous dis donc à tout de suite pour ceux qui vont regarder la vidéo derrière. Prenez soin de vous. Petite, voilà, petite parenthèse, prenez soin de vous. Le Covid est bien là. Hein. Nous, la région grenobloise, on est passé au rouge. Donc, faites attention à vous, à vos proches. Hein. Voilà. Et puis, bah voilà, je vous dis à plus tard. Allez, ciao, ciao!